Tout d'abord, Triodos est une banque qui n'adresse que les problématiques de développement durable. C'est l'alpha et l'oméga de la banque. Deuxièmement, Triodos agit dans ses investissements et ses crédits en toute transparence. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur notre site internet et regarder notre rapport annuel, vous saurez où l'ensemble de l'argent des épargnants a été investi. Troisièmement, Triodos, c'est une gouvernance différente. Elle est détenue par une fondation. Elle est totalement donc indépendante parce que ce sont nos clients qui sont propriétaires de la banque. Et elle est totalement indépendante des marchés financiers parce qu'on ne se refinance pas sur les marchés financiers. Ensuite, elle a une analyse des problématiques financières et de crédit qui lui est propre. L'ensemble des banques aujourd'hui ne regarde uniquement que le risque et le retour d'un investissement. Nous, on regarde le risque, le retour et l'impact. À la fois l'impact sociétal et l'impact environnemental. Triodos ne se refinance pas sur les marchés financiers. Donc il n'y a pas d'aléa moral, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Le dernier point, c'est sur la relocalisation de l'argent. C'est-à-dire que l'ensemble des investisseurs allemands voient leurs investissements uniquement en Allemagne, pour les investisseurs anglais uniquement en Angleterre, pour les investisseurs espagnols uniquement en Espagne, pour les investisseurs hollandais uniquement en Hollande. Les secteurs dans lesquels Triodos investit sont l'environnement, le social et la culture. Donc l'environnement, ça peut aller de fermes éoliennes en passant par du petit hydro, en passant par des fermes bio, en passant par de l'agriculture raisonnée. Le social, c'est le financement du handicap, c'est le financement d'écoles alternatives, c'est le financement de crèches, le financement pour des personnes âgées. Et la culture, nous finançons le théâtre, des compagnies de danse, le cinéma, des écoles de musique. Voilà à peu près ce que Triodos fait, c'est un spectre relativement large. Chez Triodos, nous voyons deux évolutions réglementaires qui pourraient être positives. La première serait de taxer en capital plus fortement l'ensemble des actifs bruns. Et la deuxième serait d'instaurer un bonus-malus fiscal sur tout ce qui concerne les émanations de carbone.